Pour une pénalisation routière qui lui coûte 5 minutes, Anne-Nicolas devait laisser le commandement à Val-de-Garde. À Monaco, il se retrouve en 5e position derrière les 3 Fiat, Dallon, Rohrl et Andrewet, largement distancé par la Ford du Suédois intouchable. Darnish sur sa Lancia Chardonnay est toujours 6e, mais à 6 minutes 27 secondes. Terry a pris le meilleur sur Fréclin dans le groupe 2, mais rien n'est joué, pas plus qu'en groupe 1 ou Clar sur Opel Kadett, à un excellent beau chef et son escorte à ses trousses à 30 secondes. Swatton mène plus largement dans le groupe 3. Chez Michelin, où l'on manipule des montagnes de pneus, on fourbit les armes de la contre-offensive. L'ingénieur Pierre Dupasquier fait retailler certains pneus et sortir les gommes tendres. Tout cela dans une ambiance de grand prix. De 7 pouces, il y en a 7. De 8 pouces, il y en a 8. Ça, oui. C'est pour la Porsche. Oui. Également, de 9 pouces, on en met 8. D'accord. Pour la Stratos, donc c'est 6,5, 8. De 8 pouces de large, on en met 4. Là, on en met 12. Pour Alpine, apparemment, ils ont toutes leurs roues, ils ont tout monté. Oui. On prend simplement quelques pneus quelques en réserve. 12, 12, tout ça. Voilà. Is it? The other who was racing him. Yeah, probably start.
reckon, do you not reckon that will be a lot of hoar frost on here now? No, maybe not. You don't think so? We couldn't get into the stage. Is there no hoar frost on the road up here? No. If there's no hoar frost, I think you'll be all right. The other end. Alors, comment ça va maintenant? Ça remonte? C'est bon? C'est un vrai rallye? Ah bah oui, c'est le rallye Monte Carlo, hein? Oui. Non, mais je fais ce que je peux, j'attaque au maximum, et puis... Alors, il faut, on fera les comptes, et puis on verra bien. Si tout va, je suis à l'arrivée, on verra bien où on en est, hein. Pour le moment, on roule. C'est bien. On roule pour vous, là. Et il y sera, Bernard Darniche, sur sa Lancia Chardonnay, en remportant les 10 crashs successifs. Et Alain Mahé aura bien fait les comptes, puisqu'avec 6 secondes d'avance seulement sur Val-de-Garde, il remporte ce 47e rallye Monte-Carlo, follement disputé, jusqu'à l'aube du 7e jour. Oui, Bernard, on connaît le dénouement de ce Radio Monte-Carlo et le formidable Manu Amano qui a été engagé hier soir à 18h. Entre Val-de-Garde et Darniche, vient de rendre son verdict à la fin du dernier Turini. C'est-à-dire qu'alors qu'il reste 45 km de route très très facile pour rentrer à Monaco, l'équipage vainqueur est vainqueur pour 6 secondes, Darniche, Mahé devant Val-de-Garde et Torzelius. Et j'ajouterai quand même, puisque tout le monde a la visage de l'échange.